Dernier matin dans la maison des parents à Port-en-Bessin. Dernier plan. Envie de retenir quelques traces de ce décor familier qui va disparaître. Nous retrouverons ces photos accrochées sur d'autres murs, dans une autre maison. Nous ne connaîtrons rien de ce nouveau décor. Nous devrons nous fabriquer d'autres souvenirs, de nouvelles images, tisser de nouveaux liens à partir des trames anciennes, la présence de nos parents et des objets qu'ils auront emportés avec eux. Sont bizarres, hein, les carottes. Oui, il reste plus rien à la fin. Elles prennent de ces une de ces formes. Regarder la vague recouvrir le bloc de rochers noirs, ne pas parvenir à décrocher son regard de ce mouvement qui semble infini, perpétuel. Regarder la vague recouvrir le bloc de rochers noirs, comme au cinéma, le flux des images vient recouvrir l'écran et qu'il est impossible à notre esprit de saisir l'image présente que notre œil perçoit. Un 25e. Un 24e de seconde pour nous donner l'illusion d'une continuité factice. Comme dans le journal filmé, je tente maladroitement de reconstituer le récit de mon existence, dont l'intérêt précaire pour le regardeur ou la regardeuse ne réside que dans cette tentative obstinée et dérisoire, mais que je ne peux me résoudre à abandonner au risque de perdre le sens de ma présence. Ici et maintenant, comme ailleurs, hier et demain, dans le présent cinématographique du journal filmé. Bon. Ben, le Noël prochain, je sais pas comment qu'il sera. De quoi? Le Noël prochain, je ne sais pas comment que ça sera. Sur la dernière fois, je suis même pas allée au port. Elle est dégoûtée, mais on le départ de déception. Oh, je lui ai dit, je vais m'en acheter un. Ah oui, mais oui. Pas un bleu marine, un autre. Ah oui, c'est ça, oui. Il y a eu plein de tempêtes, hein. Oui. Ah oui, il y a eu plein de tempêtes. C'est quoi? Ça, c'est. Nous, on a eu la fibre. Une tempête. Enfin, je ne sais pas si vous en avez pas, vu. La belle bon, fibre. Allez. Bah, avant de partir, la Noël, il veut j'ai vraiment. À la prochaine, en février, bon, de toute façon. Ah ben non, en janvier. Bah oui, on se voit en janvier. Janvier, oui. Enfin, en février. Au revoir, ma petite béret. Au revoir, mamie. Je t'ai foutu la chambre. Moi non. Aussi, t'es pas toute seule. Hein. Au revoir. Qui fait des potions magiques au fond. Qu'est-ce que c'est le même thème? T'as fait comme nous alors, après c'est pas comme Béret.
Ah, ne bougez pas. Vous êtes la même fois une prête. C'est pas dur de mitrailler, non? Bah oui. Il n'y a pas l'option. Il y a moins 10 ans, facile 10 ans, Ronan avait 7-8 ans, 8-9 ans. Et là j'ai 13 ou 14 ans quand j'avais les cheveux longs. Ouais, c'est bien possible. Avec son Chico là. Je crois que t'as raison. C'est Chico de ferraille. Ouais. T'es pareil. Dernier jour de 2019. Comme chaque année, pour échapper au réveillon du nouvel an, nous allons passer la soirée à Nantes. Today you boys will be involved in such activities as war games, Tim Reichstaffer. I don't think I can do this. Buzz? Of course you can. Il m'aura fallu 92 épisodes du journal filmé pour reconstituer cette année 2019. Il m'en avait fallu 83 pour 2018 et 65 pour 2017. Plus j'avance et plus le temps s'étire, se distend. Je me dis qu'il est inutile de lutter contre ce phénomène inéluctable qui me renvoie sans pitié à ma propre finitude.